programme de technique de santé animale, c'est un programme qui vient toucher tout ce qui est les soins envers les animaux, mais plus que ça aussi, ça va toucher à la science, à la médecine qui vient avec ça. Donc, c'est un programme qui est assez complet. On touche vraiment beaucoup d'espèces différentes. Donc, c'est ça qu'on en voit souvent dans les cliniques vétérinaires, les techniciennes qui assistent les vétérinaires, par exemple. On va voir aussi des techniciens qui vont travailler dans des laboratoires. Il y a beaucoup, beaucoup de milieux qui sont méconnus. Donc, c'est un métier qui est bien polyvalent. La première année, on va se concentrer vraiment là, sur les manipulations de base. Comment tenir un animal, observer les comportements des animaux, quelles sont les bases là, au niveau de la sécurité. La deuxième année, à ce moment-là, l'étudiant va aller davantage là, vers les techniques de laboratoire, comment bien manœuvrer là, les différents tests diagnostiques, que ce soit en parasitologie ou lors d'utilisation là, des appareils pour faire des analyses sanguines, des analyses d'urine. L'étudiant aussi là, va acquérir des bases là, solides là, pour faire des prises de sang, endormir les animaux en vue d'anesthésie générale, installer des cathéters intraveineux. La troisième année, bien là, on tombe dans le concret. À ce moment-là, on va faire de la chirurgie avec les étudiants. On va aller aussi également là, avec le milieu de la recherche, donc travailler là, avec les rongeurs. Et puis, les stages aussi vont avoir une grande importance là, en dernière année. C'est un programme qui se donne en collaboration avec des milieux. Donc, il n'y a pas vraiment d'animalerie sur place. Dès la première année, on est baigné dans le milieu professionnel, dans les vrais endroits où on va travailler éventuellement, parce que ça donne déjà un bon aperçu aux étudiants dans quel genre de milieu ils vont travailler. Des exemples là, que j'ai d'ateliers pratiques qui m'ont aidé beaucoup, c'est entre autres tout ce qui est prise de sang, d'assister d'ailleurs là, à partir de mes premiers stages même là, à des chirurgies de césarienne. Ça m'a permis vraiment de non seulement savoir que j'étais dans le bon milieu, mais de mettre en pratique et en valeur là, le milieu de moi. Les animaux chez nous proviennent entre autres de la SPA de Lévis et de d'autres refuges des environs. Les étudiants vont travailler avec différentes espèces animales chez nous. Entre autres, on va manipuler bien évidemment là, les chiens, les chats les plus populaires, mais aussi certains animaux moins connus comme les oiseaux, certains reptiles. Les rongeurs, parce que les rongeurs comme les souris, les rats, les lapins vont être utilisés beaucoup en milieu de recherche. Puis, bien évidemment, là, les animaux de la ferme, comme les chevaux et les vaches. Puisqu'on est plus dans la Beauce, justement, en étant situé à Sainte-Marie, on a la chance de se spécialiser aussi dans les grands animaux puis d'avoir énormément de laboratoires dans les fermes parce que c'est ce qui est en demande dans notre région, justement. Donc, la première fois qu'on met les pieds dans une ferme, quand c'est quelque chose qu'on n'a pas eu la chance de côtoyer avant, c'est vraiment quelque chose qui est marquant là, de s'habiller avec nos bottes puis notre chienne puis de partir. Là, c'est vraiment le fun puis c'est des animaux qui sont énorme. Fait que moi, c'est vraiment été ma première fois à la ferme que j'ai fait « OK, c'est vraiment cool, là. C'est différent, ça nous sort de notre zone de confort. » Fait que c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a marqué. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment que les profs, ils font en sorte qu'on soit autonome. Ils veulent nous montrer pour qu'on le fasse comme il faut, mais ils nous laissent comprendre par nous-mêmes. Ils nous l'expliquent, puis après, on le fait vraiment nous-mêmes. C'est ça qui est vraiment plaisant, parce que c'est pas comme tout le temps dirigé. Ça permet qu'on apprenne encore mieux. Ce qui m'a le plus marqué du programme de santé animale, c'est vraiment les différentes approches puis la proximité qu'on a avec nos enseignants. Puisqu'on est une toute petite cohorte, là, généralement, on se tient avec le même groupe d'étudiants durant nos 3 années. Fait que ça, c'est quelque chose d'assez marquant parce que durant ces 3 ans-là, ça devient vraiment comme ta petite famille. Tu établis des liens avec tes collègues et tu établis des liens avec tes enseignants. Donc, quand tu arrives en laboratoire, tu es confiant parce que tu connais tes collègues de travail puis tu sais que tes professeurs vont être là pour t'épauler aussi tout au long des différentes années. Dans 5 ans, moi, je me verrais dans un centre d'urgence parce que je suis une fille qui aime ça, quand ça bouge puis quand ça va vite, puis avec des petits animaux, pouvoir les soigner alors qu'ils sont vraiment au plus bas, c'est là mon objectif. Dans 5 ans, je me vois définitivement encore exercer ma profession, probablement dans une clinique vétérinaire de petits animaux, et qui sait, peut-être avoir la chance de venir témoigner là, de ma passion pour mon futur métier ici pour les futurs étudiants de la technique en santé animale. Le conseil que je pourrais donner pour les étudiants actuels, pour réussir, ça serait de, premièrement, pas lâcher, même si ça a l'air difficile, mais aussi d'y aller avec son cœur beaucoup. C'est une question vraiment de passion dans cette technique-là. Il faut pas seulement juste aimer les animaux, il faut vraiment aimer ce qui entoure les animaux, leur vie, leur parler aux propriétaires, chercher à apprendre beaucoup. Il faut avoir une curiosité là, pour le milieu, ouais.